Ici, nous t'enseignons à devenir une super-héroïne, mais pas uniquement pour Metropolis et la Terre. C'est l'univers tout entier qui a besoin de héros. Alors pourquoi garder sous clé cet endroit du tonnerre? Apocalypse. Il y a des années, Darkseid, le seigneur d'Apocalypse, a mis la main sur nos tubes et son armée a envahi la Terre. Nos héros ont failli perdre le combat contre Darkseid. Oula! Voilà pourquoi je suis la seule à avoir accès à la salle des tubes Boom. Il en va de la sécurité de tous. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci? Oh, mais bien sûr! Ouvre vite la porte, prends le tube Boom pour Corugar et je m'occupe de fermer derrière toi avant que quelqu'un arrive. Tout ira bien, je t'assure. Voilà, c'était aussi simple que ça. C'est pas en grattant ou en frappant. Éteins-moi cette alarme et en vitesse. Attends ici, mon mouchon. Je vais préparer tout ça. C'est pas trop tôt. Mesdemoiselles, tenez-vous prêtes. L'heure est venue de conquérir la Terre. J'invoque les forces d'Apocalypse et la toute-puissance de l'améthyste. Nom d'un petit bigoudi! Oh! Quelle puissance phénoménale! Je me sens toute ragaillardie! Ouais! Comment osez-vous entrer de la sorte? Tu es assise sur mon fauteuil! Désolée, mamie bonheur. Ah, au fait, merci d'être tombée dans le panneau et d'avoir accusé Gorilla Grodd, vois-tu? Je ne le voulais pas dans mes pattes, vu que je n'ai pas réussi à percer le code pour contrôler l'esprit d'un gorille. Ne me remerciez pas, mamie. Il y en a une autre là-haut! Je vais lui montrer de quelle botte je me chauffe! Je vais la voir. Oh. Oh non, c'est pas vrai. Par un devoir assigné par la principale Waller dans son cours de force opérationnelle.
Nous avons intercepté les plans de la China qui compte faire évader les Folles Furieuses. Si elle y parvient, il y a fort à parier que les Folles Furieuses chercheront à se venger du collège des super-héros. Passons de nouveau en revue notre stratégie. N'oublie jamais qu'une mission réussie dépend de notre capacité à parer à l'imprévu. Ah oh ! Le voilà, ton imprévu. La China. Mes amis, les Folles Furieuses, revenez goûter au bon parfum de la liberté. Faut l'intercepter. Dépêche. Salut, les filles. Laissez-moi vous présenter mon vieil ami. Rappelle-moi ton petit nom, mon beau. Brian. Brian va découvrir les sensations incroyables de la matrice d'agonie. À moins que vous le trouviez, vous avez 2 minutes. Tic-tac. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous aider. Big Barda, je sais comment mettre hors d'usage la matrice d'agonie. Mais t'es une Folle Furieuse. Pourquoi tu nous aiderais? J'aime bien Brian. Il me donne toujours un peu de purée en plus. Oh, allez! Si c'est pas vous qui me faites sortir, ce sera la China. Mais vous pourrez jamais désactiver la matrice d'agonie sans mon aide. C'est par là. Pitié, dépêchez-vous. Je te donnerai autant de purée que tu souhaites. Les Folles Furieuses. Faut les empêcher de s'enfuir. Toi, on verra. Pas de soucis. Katana, toi tu restes avec Big Barda. Moi, je m'occupe des autres. Votre place est derrière les barreaux. Mais... tu devrais pas être en train de secourir ce cher petit Braille-Braille. Les filles, c'est à vous de jouer. Stompa aura bientôt attrapé la fille toute bleue. Stompa aura bientôt attrapé froid. J'ai horreur des gens qui se montrent froids. Big Barda nous avait aidés. Et tout le monde connaît la suite. Et d'ailleurs, je compte bien creuser le sujet dans mon exposé pour le cours d'histoire des héros. Batgirl et Hawkgirl remises d'une prisonnière. Bat, Hawkgirl. Voilà un travail rondement mené. Ça nous a quand même pris la nuit, commissaire. Tôt ou tard, elle aurait fini à Bel Rêve, de toute façon. Je suis bien contente qu'on ait été si efficaces. Oui, ah. Moi aussi. Papa! Maintenant! Merci de m'avoir permis d'entrer. Passer la sécurité, c'est toujours compliqué. Je n'ai plus qu'à récupérer les Folles Furieuses et on débarrasse le plancher. Vous n'irez nulle part. Oh que si. Sinon, Papounet mourra. La fléchette était empoisonnée, et l'antidote se trouve quelque part à Métropolis, dans un lieu qui me rappelle mon petit chez-moi. Ne vous embourbez pas dans de trop grandes réflexions, le temps vous est compté. Faites votre choix, moi ou lui. Tic-tac, les filles. Rentre à la maison, les copines. Stompa, active la boîte mère. Oh, quel poids, elles ont mis ça. La China a dit que l'antidote se trouvait dans un endroit qui lui rappelait Apocalypse. Apocalypse est sombre. Dangereux. Et sent très mauvais. Les fausses habitumes dans Centennial Park. Ça explique son « vous embourbez pas dans vos réflexions ». Tu prends le secteur ouest, je m'occupe de l'est. Il est là.
Je vais te tirer de là. Non. Va d'abord sauver mon père. Tu t'occuperas de moi après. Pourvu que ça marche. Oh. Je suis désolée. J'ai laissé les folles furieuses s'enfuir. Oh, Barbara, la grandeur d'une héroïne se mesure au choix qu'elle fait. Et toi, tu as fait les bons. Ça sent le goudron, on dirait. Oui, bah écoute, les méchants, ça pue. Qu'est-ce qu'elles font là, celles-là? Aucun respect pour mon garçon. C'est Mamie Bonheur. Par pitié, ne nous attaquez pas, nous sommes inoffensives. Nous venons en paix. La paix est d'ailleurs la raison même de ces jeux, comme l'ont évoqué les ambassadeurs. Ambassadeur Garinbeck, je présume? Je me présente, Mamie Bonheur, doyenne de l'école Magnette d'Apocalypse. Nous avons reçu une invitation de la part du conseil. Ambassadeur Beck, ne vous laissez pas berner par ces sottises. Elle et toute sa clique nous ont déjà lavé le cerveau. Amanda, j'ai bien conscience que c'est vous qui faites tourner votre école comme vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas que les jeux relèvent de la juridiction du seul conseil. Cette lettre me semble officielle. Personnellement, je m'y serais opposé. Mais le conseil doit avoir ses raisons et je lui fais confiance. La mission des ambassadeurs est de promouvoir la paix. Voilà pourquoi il a été décidé que l'école Magnette d'Apocalypse a toute sa place dans ces jeux et peut effectivement prendre part à la compétition. Faut se préparer au pire. Big Barda, on t'a gardé une petite place. Folle furieuse un jour, folle furieuse toujours, pas vrai? Ignore-les, c'est de la provocation, ne fais pas attention. Ouais. Merci de ton soutien. La China, te prends pas la tête avec Big Barda. Elle s'est entourée de nouvelles copines. Elle les laissera dans la panade à la première occasion, comme elle l'a fait avec nous. Stompa a horreur d'être dans la panade. Je vous ai pas laissé dans la panade. On était en centre de détention pour mineurs. On avait une peine à purger parce qu'on avait fauté. Sauf que t'es pas allé au bout de ta peine. Tu nous as trahis pour pouvoir sortir plus tôt. Ha, mais je te tire mon chapeau. Jouer la gentille fifille à sa maman est un de tes meilleurs coups. Stompa a tiré le gros lot. Oui. Repose ça tout de suite. Les filles, occupez-vous d'elles et ne faites pas de quartier! Les bestioles, je les écrase. J'aurais déjà dû te démolir la dernière fois! Regardez ce que Stompa a attrapé! Je veux la garder, je peux! Tu m'as prise pour une bleue? Oh non! Batgirl, réveille-toi! Pas si vite. Je coupe gratis. Par Gorka, mon liquide vital s'est mis à couler. Les filles, on décampe. Salut, mamie. Ôte-toi de mon chemin, Big Barda. Je n'ai plus aucun ordre à recevoir de toi. Désormais, je fais mes propres choix. T'es bien trop lente, Barda. Bumblebee, vise les roues de ces rollers. Mais ouais. Rends-le-nous, ou la chauve-souris se fait greffer. Supergirl, j'ai une idée. Souffle sur la voiture d'Harley.
Reviens donc parmi nous. Par ta naissance, tu es une folle furieuse et tu le resteras à tout jamais. Oui, je suis une folle furieuse de naissance. Mais j'ai changé. J'ai fait le choix d'être une gentille. Jolie lancée, quelle adresse! C'est toujours utile, une méga-rode. Super-héros, toujours.